Salut, salut. Alors, je vais juste couper la musique. Voilà, le match il est live. Je remets juste le chat aussi. Est-ce que les gars, vous voyez bien l'écran? Est-ce que c'est bon? Alors, c'est parti pour le. Pour... C'est parti direct, c'est live, j'imagine. Ça va faire un classique Rush B pour les. Pour les terreaux. Il a fait le quadruple kill monstrueux, magnifique. On va se mettre sur le terreau. Il va décaler. Et il se mange les shots par Yas. BJ, propre. Propre, propre, propre. Magnifique. 1-0 pour, du coup pour les clutch. C'est là que c'est des champs en vrai. Petit 4 kills, premier round, là ça prend l'information middle 2. Du coup faut que je mette sur le CT. Qui est l'info. Il est bien joueur bridge. Ça se replace. Derrière en banane on sait qu'il n'y a personne, du coup on s'avance. Ça court balcon, ça sort balcon. Ouloulouloulou. Tonton monstrueux. Tonton monstrueux qui fait un massacre de double kill, il est tout pareil. Et derrière Sylax qui coupe avec double kill LM4, pas mal. Ah ouais, ils sont tous chauds aujourd'hui. J'espère qu'ils vont pas trop à chaque fois. Wesh Coca, merci pour ton sub frérot, c'est plaisir. Ouais, du coup comme je disais, j'espère qu'ils vont pas trop comme à chaque fois. Où on a l'avantage, on a l'avance. On peut mettre encore plus parce que si on veut vraiment les tuer, on peut le faire. Merci Clay pour ton follow frérot. Et juste au moment crucial où il faut, enfin crucial justement, il faut couper la game et en finir au plus vite, ben justement ça choque et on se fait rattraper, on perçoit la game de très peu ou on la gagne de très peu. Merci en tout cas Coca, c'est plaisir du sub. Vraiment vraiment plaisir frérot, merci beaucoup. Du coup ça va se terminer en B pour les terreaux. Un crossfire, du coup on a l'information pour les CT. Napsu doit faire l'expo individuel. Donc il sort, qui fait un kill. Il y a un mail au HP. Il a l'information piscine. Va-t-il faire le kill? Il le fait. Oh dommage, il enchaîne un très bon triple kill. Du coup c'est le retour des CT. Il a pas le temps de planter la bombe. Si, il la plante à la dernière milliseconde. Et c'est gagné par les CT. Et il perd là son arme. Magnifique, magnifique, magnifique. 3-0, quand même la bombe elle était plantée. Du coup ça sauve un peu économiquement les terreaux. Mais ça va. On s'est bien rattrapé côté Clutch Esport. Stylax qui fait l'arrivée du middle 2 côté appartement. Et exactement, elle a bien géré son temps quand elle était C3. Et Ludo qui prend le kill, Stylax aussi pareil. Du coup, il se retrouve 2 middle 2 avec la bombe côté appart. Ça va être compliqué pour les terreaux de sortir de ce petit guet-apens qui va leur arriver. Stylax qui est du coup short, qui aura de la sortie à balcon.
Il loot tout cas le boiler et qu'elle est mid en même temps. Très bon crossfire. Petite mollo boiler au cas où. Bah côté terreau ça va rediriger en B, logiquement. Ils ont entendu le stuff. Merci frérot pour le don, ça fait plaisir. Merci beaucoup beaucoup du soutien frérot, ça fait plaisir, voilà. Du coup ça se finit en par la short. Voilà. Très bon rival de Liloutou, très bon double kill de Liloutou, magnifique. Stylax qui a pris la bonne ligne cassée, il a pas eu de refit, derrière t'as Liloutou avec sa deuxième lame qui vient revenge. Du coup c'est coéquipier. Franchement c'est solide pour l'instant, 4-0 sur deux rounds armés. En face c'est du bail léger. On va se mettre sur du coup Stylax ou Yas. Non, on va se mettre sur la Yas. Ah non, ça va venir en A. Donc je pense que sur Stylax. Stylax premier kill à la WAP sur un beau flash pop. Ça enchaîne un deuxième kill à la WAP. Triple kill de Stylax. Un qui est passé sur BPA, il loupe son quatrième shoot. Il sait que c'est sur la gauche du coup. Non, il savait pas. Il se fait surprendre sur ça alors que c'est logique, wesh. Stylax, tu joues à quoi? Bon, je le charrie, mais bon, il était monstrueux quand même ce round là, même si c'était l'économie en face. Il assure le cinquième round, c'est beau. Du coup, 5-0, pas mal. Round armé en face, avec NSG, une AWP et 3 AK. Normalement, logiquement, ça va essayer d'agresser le B. Du coup, on va se mettre sur Yas. Voilà, bombe qui part middle. Partir sur une petite exé combé. Ouh là là, Yas qui touche à travers le mur. Du coup, les terreaux sont en train de s'avancer. Du coup, banane et appartement pour avoir le contrôle de la carte. Dézoner petit à petit. Donc, du coup, 20 qui fait le kill sur tonton A. Il tue l'extrémité appartement. Ils ont fait le kill à part, donc là, du coup, ça va sûrement rediriger A. Avec une coupe banane. Du coup, on va se mettre sur Stylax. Il a la vue du boiler, du balcon. Est-ce que ça va sortir boiler? Il y en a un qui s'avance. Ça revient au côté balcon. Ils ont vu que c'était smoke. Les terroristes hésitent beaucoup. Ils savent pas comment ils vont attaquer ce A. Ce qui est sûr, c'est que ça va finir en A. Sur une prise dans le T. La Molotov, du coup, c'est qui est Longa? J'ai pas vu son pseudo. Je pense que c'est Liloutou. Avec sa petite Molo qui a fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Ouloulouloulouloulou. Stylax qui fait des kills pour Magic. Liloutou qui tombe. Il y a ce contact qui se fait tomber aussi. Ouais, très, 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 très belle finition. Enfin, c'était un peu cafouillis, mais dans l'idée, c'était de jouer ensemble. Ça a payé, du coup. Il y a eu de la réussite du coup sur la D4 de la WAP. Stylax aurait pu faire carnage là où il était placé. Il n'y a pas eu de réussite. Liloutou il a pas fait les revenge qu'il fallait. Mais en fait il voulait reprendre du coup contact à la WAP. Si tu loupes ton table de la WAP c'est fini, t'es mort. Il aurait dû économiser son WAP. Napsu il a vu son coude.
Vas-y le gars, je te téléphone. Non, désolé, je te téléphone. Vraiment, vraiment désolé. Du coup, c'est un pour les clutch sport. Très humide, rapide. Yas qui fait son kill. Du coup, toujours 5v4 pour les clutch e-sport. Il y a escalier humide. Ça va sûrement se finir en appartement. Ah, vu comment ils sont placés les terroristes. Du coup, CPL là pour les terreaux. Du coup, prise en slow du balcon. Original dans la smoke. Heureusement que Tonton et Napso ils étaient là pour faire le taf. Yes qui récupère le troisième kill. C'est du 1v1 pour Silax. Il a la WAP. Ça plante QBP. Et très bon kill de Silax qui clôture sur 8-1 pour les Clutch Sports. Les Clutch Reign eSport, autant pour moi. Du coup 8-1, full buy pour les Anglais, on va s'appeler comme ça les Vector Gaming. Ils ont 5 AK, un peu de stuff. Oulala, très belle double HE dans le wood. On fait tomber une arme. Derrière on récupère bien la banane. En tout cas, les défauts de la dernière game ont bien été rattrapés. Ouais, tout de suite, il faut qu'on ait un peu que les Sitchi ou les Terros dans le banane, c'est beaucoup plus difficile pour l'équipe adverse. Derrière, on va pêcher la semence dans le middle. On tombe côté Napso. Tonton qui fait son kill. 20 en situation de 1v2. Il est contact, attendu par Stylax. Stylax va sûrement reprendre en slow. Non, il n'a pas repris du tout en slow. Il n'a pas voulu jouer le timing, il a préféré attendre. Tonton en situation de 1v1. Ouloulouloulou, 20 qui a eu un peu de réussite sur ce headshot. Il est laissé à 7 HP en 1v1 contre Yas. 7 HP. Il a une mollo, une flash. Il est 200 tendu normalement. Est-ce que Yas il va zouter que l'autre s'est avancé bouillard? Non, pas du tout, c'est gagné pour 20 en clutch de 1v2. Magnifique. Très très bien joué de sa part avec un petit peu de réussite. Dommage pour les clutch. Et clutch Wayne Esport. Et voilà, première pause de je ne sais qui. Qu'est-ce qui a mis la pause? Non, je sais pas qui a mis la pause. CCT s'est bien mis pour casser leur rythme. C'est les terreaux, je comprends pas pourquoi. Ils ont dû la poser plus tôt. C'était pas prévisible, oui, non. C'est quand même une zone à checker quand t'es en 1v1, tu vois. Qui mettent beaucoup d'activité dans le middle avec les doubles UMP, enfin les doubles MP9, pardon. Skillax qui fait le bon kill middle. De Zouté qui est encore un middle peu, il est check pas checké, il a attendu, il loupe son shoot. Napso derrière qui fait le kill. Du coup c'est du 2v2.
Alors là, Lilutu, enfin Lilutu, ouais, c'est ça, il est très bien placé parce que du coup, ça, en face, ça va se rediriger côté B et lui, il garde sa ligne, il s'est pas trop avancé dans la banane. Et là, sa position va surprendre. Les autres doivent l'attendre du coup, C3. Ouais, il attendait C3, dommage qu'il arrête son shoot. Il met beaucoup, beaucoup de dégâts. 2v2, bon planté. 1 à 7 HP, 1 à 54 HP. On a une smoke, une flash côté Napso. Est-ce qu'il va les placer au bon moment, au bon endroit? Non. Un mec C3 du coup qui a mis une balle, je crois, Napso. Je suis pas sûr. Un mec C4 qui a été vu. Un C4, un C3. Et le crossover qui n'était pas là. On perd ce 2v2. Dommage. Deux clutch qu'on perd là, ça commence à être. Ouais. On veut jouer trop lent, on n'est pas assez agressif. Là, si Lilutu, il aurait été un peu plus agressif à travers la smoke, il aurait pu choper peut-être un kill, mettre très très low le deuxième, et ça aurait pu se jouer en 1v1 avec un Napso qui était full HP, et ça aurait peut-être changé la donne. Ou il aurait peut-être fait son double kill. Merci Coca. Du coup, on fait un pari A, deux shorts. Bon, du coup, là, c'est deux boilers, deux longues, un apart. Ben non, ça reste de l'amateur quoi. C'est amateur anglais. Si c'est pas une équipe de fous furieux. Vu comment ils prennent leur contrôle, vu comment ils exécutent. Les timings, ils sont pas dans le timing, tu vois, ils sont hors timing à chaque fois. Les finitions, c'est un peu brouillon. Ce qui est bon, c'est leur contrôle, leur prise d'information qui sont pas mal. Voilà, après ça reste du niveau amateur à ce niveau-là, Open France, ESOA. Non, c'est Open tout court, c'est Open Open Europe, c'est ça, c'est ils sont plus les Open France. Du coup, ronde armée pour les clutch rain, e-sport, 8-4. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est on domine 8-1, tu vois, et on se rattrape 8-4. Derrière, aucune remise en question, toujours les mêmes routines. Bon, là, on en booste un dans la short, parce que du coup, on sait qu'en face, ça attaque beaucoup le T. Est-ce que Yas va avoir la fluidité de garder une caissée sur le bowler ou pas? Parce que du coup Lilutu sera pas très très avantageux celui qui est sur le bowler. Napso il a vu? Non, il a pas vu sauter. Il a Soon c'est sûr. Mais est-ce qu'il a vu? Je sais pas. Est-ce qu'il a exprès le travers smoke? Voilà, Lilutu il est spotted par le mec contact. Bon HE qu'il met 1000 HP. Du coup, ça va sûrement se finir en A. On est 3 côté City. J'espère que ça va être solide côté clutch Rain Sports qui est très 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 mal parti. Non, ça va rediriger en B. Ça va être compliqué là. Ils ont pris le B. Redirection un peu litigieuse côté CT. Même s'il reste que 5 secondes, c'est en train de planter la bombe. Il a planté C1. Petite moule construction. 3 versus 5. Ouais, ça va être compliqué là. C'est un City. Versus 5. Ouais. Lilutu qui prend un bon kill qui se fait revenge du coup par Magic. Tonton qui tape un deuxième kill. Et le mec City qui vient clore ça. Chronos. 8-5. Coca qui essaie de parler en émoticône sur le chat.
Les gars, bougez pas, je reviens dans 2 minutes. Du coup ça va sûrement se finir en 9-6 ou 8-7, ce que je disais tout à l'heure les gars. Ça va être compliqué pour eux. Ça commence très bien et après ça se fait rattraper bêtement. Non, j'ai désactivé le détecteur auto. Ça sert à rien. T'as raté tout en hors timing. Bon, même si là je le suis tout le temps. On va se mettre sur tonton. Premier duel. Ça redirige en B. Franchement, la flash était trop belle. Il était T, il met la flash pour short et derrière ça redirige en B. Là, est-ce qu'il met le premier kill? Il enchaîne sur un deuxième kill. Donc là 9-6, on s'est bien rattrapé. Ça aurait pu finir en 12-3 comme d'habitude, mais bon. Je sais pas. Soit on se relâche, soit on n'est pas assez rigoureux, soit derrière ça joue des zones où ils n'ont pas l'habitude de jouer sur des timings précis. On a pas assez de lucidité sur les extrémités, et on sait surprendre à chaque fois. Je pense que ouais, c'est plutôt ça. Du coup, comment ça va se passer en terreau? Est-ce que ça va dérouler ou est-ce qu'on va se faire rattraper et perdre ce match? On va voir ça tout de suite, les gars. J'espère que pour nous on va se réveiller, on va essayer de gagner ce game. Enfin bref. Thank you.
qu'on avance en slow dans l'appart. Ça peut faire mal si le CT il loupe ses premiers shoots, tu vois. On les a sound. Un petit putain grand pute, on les a vus. Ouloulouloulou. Tonton qui fait un très bon double kill, mais c'est très mal parti. C'était pris un gros headshot. Derrière, du coup, une bibliothèque, un arch et un T qui vont reprendre. Il y en a un short. De longue. Il y a ce qui prend tout le kill. Quoi, c'est l'antistrat qu'ils ont fait là au lieu du GR? Il se prend un gros headshot là, Stylax. Ben l'anti-strat c'est... Quand tu sais qu'en face ça va jouer par exemple 3 en B, tu vois. Parce que du coup t'as regardé une ancienne démo des joueurs, ben du coup tu fais une anti-stratégie, exact. Tu sais qu'ils se mettent à 3 en B, ben tu vas en slow dans l'appart par exemple, tu vois. C'est ça, exactement ça. Et vous avez un peu des échos, des anti-échos, tout ça ou pas du tout, Joss? Voilà, du coup, ça déroule bien. Hein. On met le gun round. Sur ce match, non. Pas réussi à trouver une démo de sur F. Et comment tu sais que qui faisait ce GR du coup? C'est ouais, c'est connu que t'as 3 mecs qui se mettent en B. C'est un peu connu, ouais. Après la mettre exactement pour ça, je sais pas, c'est risqué quand même. Bien joué, bon, il y a eu de la réussite, hein. Mais pas toutes les équipes jouent comme ça. Au game round. Du coup, une petite western côté de CT. Qui était. Avorté. Et avec une molotov. Flash qui part sur timing, qui décale. Très bon kill. Alors là, Twenchy et Magic, ils ont fait un beau travail. Yep. Je vois ce que tu veux dire. Par contre, là, l'instant de flash sur le décal, il était magnifique. Là, ils ont dégusté les clutch sports. Mon son est bas, attends, je vais l'augmenter. Est-ce que là, tu m'entends mieux? Ouais, je disais, du coup, ouais, la flash qui a été mise dans la banane, là, elle était magnifique. Franchement, un timing de fou, il a pris. Et ça fait vraiment mal. Franchement, il gagne le round sur ça, s'il gagne le round. Un mec qui se rappare, il se fait punir. Un mec short, la revenge, est parfait. Ouais, franchement, il gagne le round sur ça. Le double kill, il l'a fait vraiment mal. Alexa, je t'ai rien demandé. Alexa, peux-tu couper? Merci.
Bah désolé, il y a mon enceinte connectée qui fait que parler là, c'est souvent. Ah, du coup, je disais, voilà, ouais, la flash en banane B, monstrueuse. Du coup, rapide du thé pour les terroristes. Chronos, il fait mal aussi avec son AK. Y a ce qui brûle dans la mollo et se fait punir du coup par Omnipotentatus. Qu'est-ce qui se met quoi ce pseudo Omnipotentatus, quoi. Dommage, on conteste pas la banane. Parce que du coup, en face, ça va se douter que ça va se terminer en A. Et ça va faire très mal comme à chaque fois, du coup. Ça va partir sur le tour du monde, si. Ouh là là, on chope la WAP, non? On a peur, on recule. Dommage, Yas. Dommage que Yas l'a pas porté ses couilles. Le mec Python le sait. Boiler, tu sais. BJ. Bien joué de la part de Yas. Qui fait un bon travail, Napso qui prend le bon kill en A. Du coup, on a tout le A, faudrait planter la bombe. Il y en a un qui arrive dans le T, ça ils le savent pas logiquement. Un contact City, Yas devrait sûrement s'en douter. Après, comme il arrive en slow, ouais, il met la flash. Molo Arche. Il a pas Sound? Ouais, il a Sound, si, si. Là, il loupe sa balle, il est mort pour contre Yas. Dommage. Du coup, Twenty qui fait le bon taf, il va sûrement récupérer la WAP et aller l'écho. Franchement, pas mal la qualité. Bah, merci frérot, ça fait plaisir. D'habitude, c'est Ludo qui me reste sa télé. C'est un dommage, on perd des embêtements là. Yas, il aurait été un peu plus patient, le mec serait, il aurait décalé, il aurait puni. Du coup, on aurait gardé 3 armes plus la WAP. Le mec T qui prend le duel short qui sait surprendre, on perd encore une arme sur ça. Après on a un terreau donc ça va. Mais quand même, ça fait mal. Là on aurait pu les priver du coup du nawap en CT. On leur donne. On ferait la western du futur là. On check pas le bac à sable, derrière c'est revenge. Il prend beaucoup de dégâts Silax. Du coup, un CT qui reprend du coup le cercueil, il se fait mollo. Il brûle Twenty, il repart construction. On garde la banane, c'est cool. Attends, je viens de voir ce duel là par contre. Il faut que je mette sur le C3 en terreau. Il est là. Est-ce qu'il va prendre des risques ou est-ce qu'il va rester safe? Bah largement, largement les clutch Rain Esports, tu vois. Ils ont bien débuté le match, ils ont mis les gain rounds. Ils ont assuré des rounds importants un peu, tu vois. Bon là, ils perdent un round très important d'ailleurs. Ah mais tu parles de ce match-là ou tu parles dans le général? La meilleure Monjo ou la meilleure sur ce match? Ah ce match, ouais, bah c'est les Clutch Esports, ils sont meilleurs, mille fois. C'est juste que c'est une nouvelle équipe, ils ont un peu plus de skill. Et c'est dommage parce que là où une équipe comme Clutch Esports bien préparée, ils doivent gagner 16-5, 16-6, tu vois. Bah Clutch, voilà, ils galèrent un peu, tu vois, c'est du 12-9, c'est serré, ça se joue sur des rounds vraiment, 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 tu vois, chaud. Ça se joue sur de l'économie carrément, tu vois. Et voilà quoi. Là où normalement il ne devrait pas y avoir match du tout, parce qu'en face c'est une équipe mauvaise, faut dire ce qui est, tu vois. Ils sont pas ouf, tu vois.
Et oui, pour répondre du coup à Torrent, que la meilleure équipe que je trouve monstrueuse, c'est Astralis. Ça fait plusieurs années qu'ils sont dans le devant de la scène. Avant ça, t'avais Luminosity, enfin les SK Gaming, là, les Brésiliens. Et c'était très 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 bouillant à l'époque, il y avait Coldzera, tout ça, tout ça. Et après, c'est toujours été du coup les anciens Nduce, LDLC, les Français, donc t'es chaud, Virtus Pro aussi. Oui et non, en fait ça dépend de nos deux là, tu vois quoi. On les frappe, oui. Parce que même du diamant, on doit les manger, tu vois. Après, ça va se jouer sur les deux lasts avec qui on sera et si on va bien contrôler les zones ou pas, tu vois. Surtout que Ludo il prend bien la banane. Toi derrière, tu as sûrement assuré la porte. Donc, oui, on les aurait frappés. Ouais, ça aurait été serré comme Clutch Sport, tu vois. Mais on n'aurait pas mis un gros gros score non plus. Parce qu'en face, ça reste une équipe, tu vois. Enfin, bref. Du coup, petite pause de Clutch Sport. Deuxième pause du match. C'est bien, ils ont bien retenu la leçon en tout cas de la dernière fois. Au lieu de se laisser égaliser ou surpasser pour ensuite mettre une pause, il la pose tout de suite, c'est cool. Dès que c'est un peu litigieux, dès qu'on sait plus trop ce qu'il faut faire, dès qu'il faut rediscuter et parler, on pose, bah, du coup on met une pause. Et c'est cool, tu vois. Du coup, on va checker un petit peu les scoreboards là. Lilutu 15-16, Nias 15-15. Stylax en 18-13, Naps en 19-15, Tonton en 10-14, ouais, c'est homogène côté Clutch Sport. Voilà, c'est ça aussi qui fait la force des. Enfin, qui dit que du coup une équipe est meilleure qu'une autre. Bah, du coup, bah, les Anglais, tu vois, ils se reposent sur l'individualité de un ou deux joueurs, du coup, qui est si 20 ou Kronos, tu vois. Des fois, Magic qui met du bon stuff qui fait la différence, mais sinon, tu vois, les autres, ils sont pas si ouf que ça. Tandis que là, c'est tous les joueurs qui sont linéaires et qui font à peu près le même score. Il n'y en a pas un au-dessus de l'autre, tu vois. Même s'il y a des joueurs stars ou pas, tu vois, genre Yas ou Stylax peuvent faire la différence comme Tonton ou Napso. Ou Lilutu, tu vois, tout n'importe qui peut clutcher. Chose que chez les Anglais, on peut pas faire, tu vois. Il y a un ou deux joueurs et dès que 20 tombe, c'est fini. 20 ou Kronos tombe, c'est fini. Et du coup, on va se mettre sur 20. Si 20 fait pas le carnage, tu vois, bah c'est perdu. Un 20 Lilutu qui est très low HP. Là, il doit pas rester ici, il doit se replacer. Et ouais. Un plein milieu du BP, low HP. L'autre dégage, du coup, c'est un duel 50-50. Le premier qui tire, il perd. Enfin, il gagne plutôt. Il lui reste 7 HP, c'est fini. Ça se joue à rien à chaque fois. Sur des détails. Ah, ça rend fou. Et ouais. Du coup là c'est un force non un petit bail du coup pour les Clutch Sport. Est-ce qu'ils vont réussir à rentabiliser ça? Je crois pas. Le but est de faire tomber quelques armes. C'est compliqué là. Ça va être 12-12. La fois, ils auraient dû poser. Enfin, là, le round d'avant là. Dès qu'ils ont perdu en 1v1, ils auraient dû remettre une pause, rediscuter. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va mettre en écho. On va essayer de faire tomber le maximum d'armes possible. Qu'est-ce qu'on fait au prochain round d'armée, tu vois? Ça n'a pas été fait. Nika, que penses-tu des joueurs sur le match? C'est clutch, Rein eSport frérot! Ou sinon tu dis CR eSport s'il te plaît! Ah, Walken il est énervé! Les clutch Rein eSport! Qui ont réussi à planter la bombe, qui ont fait un beau taf en économie. Ça joue pas ensemble, c'est tout. Si, 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 non, ça joue ensemble. C'est juste que. Il y a des timings qui sont pas pris, tu vois. Ouh là là, Magic qui perd son AWP. Ouh là là, 20 et Kutz qui font le double. Le beau triple kill carrément. Alors là il y a un timing, s'il faut que Lilutu il gère. Dommage. Lilutu aurait dû d'abord tuer Kut, mais ça savait pas quitter l'OHP. Ça passe à rien du tout. Ils ont l'info que la WAP protège B dès qu'il y a du mouvement.
Là, ce qui serait intéressant, tu vois, c'est les terreaux prennent la banane. Tu en laisses un ou deux de la banane, tu vois. Il y en a trois qui redirigent sans la bombe. Ils claquent une CPL en A, ils finissent en A, ils se jettent en A, ils font les kills en A. Tous les mecs de B redirigent. L'extrémité B a sûrement passé banane pour revenir middle. Il se fait couper et ça finit, ça plante la bombe en B. Là, ça pourrait être intéressant. C'est un round qui serait mis, tu vois. Problème, est-ce que c'est pas le style de jeu de Sylax, tu vois. Lui, c'est plus on contrôle, on finit. On contrôle, on finit. On contrôle, on finit. On contrôle, on fait qu'on redirige. Il joue pas, il éteint pas son jeu sur toute la zone. Tu vois, genre, ils sont tous paqués, ils éteignent T, c'est bien. Mais il est vraiment, vraiment classique, Sylax. Donc, ça fait 3-2-A. Beau kill flashé là de la part de Magic. Il est vraiment monstrueux, tantôt qu'il enchaîne un kill Diaz, qu'il enchaîne le second kill. Sur Chronos, ils ont ouvert le A. Du coup, les CT qui vont arriver côté Arche. Stylax qui prend l'appart. Et du coup, les CT qui vont écho. 13-12 pour les clutch Rain Sport. Du coup, les CR eSports, est-ce qu'ils vont le laisser écho? J'imagine que oui, parce qu'ils voudront pas perdre leurs armes, surtout que leur économie est très 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 bancale. Mais ça aurait été rentable là, de les faire tomber. Parce que derrière, il y a un joueur à 3K5, deux joueurs à... Enfin, du coup, à 3K9, 3K6, 3K5 et 6K7, tu vois, tu les fais tomber. Bah, du coup, il y en a un des deux qui peut bye-bye, tu vois. Donc, tandis que là, les deux qui drop pour les deux qui avaient pas d'argent. Et celui qui a 6K, il peut prendre une AWP. Et c'est ce qui se passe du coup, une AWAP et 4 M4. Donc là, du coup, ça fait que si là maintenant de suite les auraient fait tomber les deux M4, il y en aurait eu 3 qui auraient été armés. Peut-être un quatrième, mais il n'y aurait pas eu d'AWAP, c'est sûr. Il y a un cinquième qui serait en Desert Eagle. Et là, ça aurait été beaucoup plus intéressant et beaucoup plus facile pour les CR eSports. Dommage. Ça, c'est le genre de détail qu'il faudrait calculer du coup. Pour du coup, avoir la victoire un peu plus facilement. Il n'y a pas eu la fluidité du coup des CR eSports. Tant pis, ça va se jouer sur ce round. Les CR gagnent, du coup, ça va sûrement se finir ce round-là. Ouais. S'ils gagnent, c'est fini. Du coup, il y aura 15-12. Round armé. Merci, Purple, pour ton follow, ça fait plaisir, frérot. Ouais, il y aura 15-12. Round armé, ça sera impossible à remonter. Ou très difficile, en tout cas. Et mentalement très dur aussi. Donc voilà, tout se joue sur ce round. S'ils le perdent, il y a 13-13. Et du coup, c'est les terreaux qui sont risés économiquement avec plus beaucoup d'argent. Du coup, Twenty qui fait son premier kill sur Tonton. Ça passe Ichi. La WAP qui est low HP. Yas c'est un peu trop gourmand, il a la bombe. Il prend le kill quand même. Ils ouvrent le B. Toujours 2 C3, c'est ça? Ouais, ils sont 2 C3 quand même. Faudrait faire gaffe. Belle Molotov qui va les faire sortir. Double décal qui fait très mal pour Liloutou. Sylax il prend la bonne revenge. Et Sylax il fait le bon double kill. Magnifique. On va planter la bombe du coup du côté CR eSport. 3 versus 1. Ouh là là, Chronos. En situation de 1v2. La HU qui tape sur la tête de Sylax. Est-ce qu'il va faire le double kill? On va se mettre sur lui. Il se manque la bombe et Yas qui fait le bon kill. 15-12 pour les clutch sport. Bah ouais, ils font beaucoup beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce que du coup, c'est une équipe nouvelle, tu vois. Ça fait même pas un mois qu'ils sont ensemble, je crois. Faudrait demander la confirmation à Mika ou à. Allez, la compte de Foras. Ouais, voilà, ça fait 3 semaines qu'ils jouent ensemble. Et Tox qui le confirme. Ouais, ça fait pas longtemps qu'ils jouent ensemble, tu vois. C'est logique. Mais franchement, c'est pas mal là hein, pour 3 semaines. Non, mais d'un côté, c'est bien ce qu'ils ont fait, frérot. Parce que ils savaient que du coup, qu'il n'en restait que 2 en B. Ils les ont asphyxiés pour assurer les kills, tu vois. Ça aurait pu se retourner contre eux. Ça l'a pas fait. Tant mieux, il y a eu de la réussite. Faut que ça paye maintenant.
Non, je doute qu'il y ait un mec. Voilà. Un mec boiler. Chronos qui tape le kill. Qui se fait revenge. Non, Siri, je t'ai rien demandé. Et ça se finit du coup 15-12. Bon, ça je l'avais prédit. Il gagne ce round, ça finit 15-12. Il était en full écho. Derrière, ça va bail. Que des M4 logiquement. Ah bah voilà, Infamous, c'est un mec qui avait même pas assez. Ça va se jouer ici. Soit on n'est pas naïf, on contrôle les zones et on finit correctement et on clôture ce match, soit on se fait rattraper bêtement. Ah, je te jure, gros, c'est compliqué pour moi. Alors, du coup, ouais, Chronos qui tape un magnifique double kill. Yas qui loupe son shoot d'AWAP. C'est très compliqué. Silax qui fait un double kill. Qui fait la coupe. Double kill, 2v2. Non, 1v2 du coup. Il doit se douter qu'il doit avoir un middle là. Tu le sais, frérot. Mais ouais, t'es naïf. Dommage. Enfin, non, t'as pas été naïf, mais dommage quand même. Dommage, dommage, dommage. Par contre, pour Walken ou Mika, les gars, est-ce que je stream, est-ce que je casse aussi le match qui est à 22h ou pas? Les ECN. Ou est-ce que c'est notre streamer qui s'en occupe, les gars? Faudrait me confirmer ça. On va attaquer le B. Ah, la WAP en face, fait, je sais pas où il est. Si c'est du A, si c'est du B, il est de ouf. Il a de quoi hésiter. Samo la short, ça dézone, y'a personne. D'ailleurs, ça crache le stuff aussi en B, j'imagine. Non, ça repart en slow. Pourquoi Magic l'a douté? Ah oui, par rapport à la Smoke City, ok. Magic bien positionné. Enfin, j'espère que ça va déclic sur la short. Il y a ce qui essaie d'en choper un. Magic fait son bon kill à la WAP. Côté bibliothèque. Yes, qui en a vu un qui loupe son shoot d'AWAP. Ça déclic les tout qui son premier kill. Yes, qui touche le deuxième. Napso qui enchaîne sur un double kill. C'est magnifique. On plante la bombe en 4 versus 2. Les deux qui sont arch. Tunchi qui récupère le T. Yes, qui a la short à la WAP. Bon kill de Yas. Et Yas qui joue le deuxième, c'est Napso qui va le faire. Magnifique. Magnifique fin, les gars, bien joué. Bon, bah, c'était un petit peu serré. On s'est très bien rattrapé par la suite. Les clutch, Rain Esports qui remporte ce match.